Thank you.
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix de la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Bon après-midi, la famille. Bon après-midi, mon frère saint. Bon après-midi, mon Seigneur qui est avec nous pour célébrer sa service funéraille. Madame Gladys Nissette qui nous quitte nous. Mais voilà, nous venons là pour nous rendre lit sa dernière hommage. Madame Nissette, c'est madame fort, fort, comme une maman, comme une épouse, comme un travailleur qui travaille quotidiennement, l'imprimerie Saint-Fidèle, fort dans son la foi. Alors, nous venons dire merci pour tout ce qu'il vient faire. Oui, nous rassembler des moments pour nous dire adieu, un moment que nous pouvons séparer avec lui. Mais en plus, même il y a la tristesse, mais il y en a aussi action de grâce dans nos cœurs. Nous remercions bon Dieu pour son la vie, pour tout ce qu'il fait, pour tout son témoignage qu'il est capable de donner. Alors, oui, Madame Nissette, par mon Dieu, dit très fort dans son la foi. Il conduit tous ses bons enfants dans ses mains l'Église. Je crois aussi son bon petit-enfant. Il conduit les autres dans ses mains l'Église. Alors, oui. Les moments arrivés pour nous imaginer tout ce qui était pour nous. Comment nous maman pour ce bon enfant. Comment nous grand-maman. Comment nous tantine pour ce bon nièce et neveu. Comment les membres de la famille. Comment les amis. Comment les gens qui nous font partie du mouvement. Qui nous font partie nous aussi. Alors voilà, nous là pour nous célébrer sur la vie. Dire à Dieu, mais en même temps célébrer sur la vie de la foi. Sa grande la foi qu'il même lit il en a, qui est aujourd'hui, nous peut célébrer sa service funéraille là-dedans, la foi l'Église. Bien sûr, nous peut faire l'Eucharistie, à quoi Mme Missé est tellement dévouée pour l'Église. Il tient pilier sa paroisse cathédrale. Alors, nous remercions de sa façon. Alors, commençons sa service, m'a demandé 4 membres de la famille pour venir ici devant. Pour recevoir la bousie qui pour gagner Alim XS Pascal et pour autres Alim Saban les autres la bousie autour de CKI. Nous ranimons cette flamme près de Madame Nissette, notre sœur. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. À présent, ce garçon va déposer la croix, le cercueil. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Madame Nissette et pour chacun de nous. En ouvrant les cœurs, Seigneur, nous connaissons que la mort il fait partie de la réalité de la vie mortelle. Nous connaissons qu'un jour, nous avons besoin de quitter sa monde. Mais si nous avons confiance dans le bon Dieu, nous avons la foi dans lui, nous avons dans la paix. Nous dit pareil, prophète Siméon, Seigneur, accueille ou serviteur, mon pari pour moi quitte la terre, mon vin kotou en paix. Alors la mort aussi éprouve-nous, fait-nous douter. Et nous passons la souffrance, la mort, la souffrance maladie, dans les autres souffrances. Il fait nous douter en adélaire. Le bon Dieu, de son amour, de son fidélité pour nous. Alors pour bonne foi, qui nous sommes capables de douter de l'amour bon Dieu, de son fidélité pour nous, envers nous, en nous demandant pardon et reconnaître nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que je péchais en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péchais.
C'est pourquoi je supplie à la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie et au bonheur éternel. Ensemble, prions le Seigneur. On nous prie, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison la famille, les proches, les amis de Madame Lissette qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons écouter témoignage. Mami, Madame Lissette, Madame Aston, Mlle Gladys, ma tante, c'est comme ça qu'ils disent qu'ils appellent nous maman. Gladys Lissette, née de Jacques, qui marie avec une Lissette, qui tout dit qu'ils connaissent comme Aston. Jamais nous ne connaissons qui est papa, il y a ça non. Tout en a 8 enfants, 5 filles et 3 garçons. Son deuxième enfant, Brian, qui quitte nous 12 ans passés, tandis que papa, 28 ans passé. Mamie, c'est un monde très discipliné, strict et droit. Il est toujours paré pour aider sans expecter rien en retour. Même qu'il soit la cour pour accompagner les malades, qu'il soit à l'hôpital ou côté lui. Il est toujours en masse s'il participe au travail et même après sur la retraite. S'il participe dans un meeting med famille, meeting Caritas, Croix, etc. Il représente Caritas de bonne rencontre Caritas à l'étranger. Son seul endroit de travail, c'est l'imprimerie Saint-Fidèle pendant 50 ans, jusqu'à ce qu'il prend la retraite. Il y paraît un pilier de sa cathédrale, quand il est toujours là où la messe, l'enterrement, le mariage ou n'importe cérémonie, en tant qu'il organise ou fait partie croire pendant plusieurs années. 13 ans passés, il a perdu son petit sœur et son petit frère, même l'année. Ça a affecté lui, le fait qu'il tire ses 10 lits parmi son deux frères et sœurs.
Son l'année ensuite, en 2011, Brian quitte nous sans expecter. Sa perte s'affecte mamie beaucoup. Depuis ça, son sa santé commence à diminuer. Malgré ça, il insiste pour aller sur la messe ou assister à l'enterrement quand même il commence à avoir un problème pour marcher. S'il faut de COVID pour faire lui rester contre la cour. Et là, son la santé empire tout doucement jusqu'à ce qu'il quitte nous jeudi le 13 août. Mamie, malgré que tu peux souffrir tranquillement, nous manquons. Adieu, mamie. Femme de caractère.
Lecture du livre des Proverbes. Une femme de caractère qui la trouvera. Elle a bien plus de prix que les perles. Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture de sa maisonnée et donner des ordres à ses servants. Elle jette son dévolu sur un champ et l'achète avec les fruits de son travail. Elle plante sa vigne. Elle serre vigoureusement ses reins et déploie la force de ses bras. Elle considère que ses affaires vont bien et sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Force et bonheur la revêtent. Elle pense à l'avenir en riant. Elle ouvre la bouche avec sagesse et sa langue fait gentiment sa leçon. Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas paresseusement son pain. Ses fils, hautement, la proclament bienheureuse et son mari fait son éloge. Bien des femmes ont fait preuve de caractère, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce tombe, la beauté ne dure pas. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit féliciter. Accordez-lui une part du produit de ses mains et qu'on porte ses œuvres fasse son éloge. Parole du Seigneur.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Tiens, un homme dans Jérusalem qui s'appelle Siméon. Il tient un homme six qui tient en respect pour le Seigneur. Il t'y espère consolation, peuple Israël, et l'Esprit Saint est avec lui. L'Esprit Saint, tu ne fais lui connaît qui n'est pas pour mort avant qu'il y ait un Messie qui Seigneur t'y promet. Sazo, dirigé par l'Esprit, Siméon s'y entré dans le temple. Quand parents hésitent, tu n'amènes d'autres enfants dans le temple pour faire ce que la loi t'y demandait, Siméon t'y prend lui dans son les bras et loué bon Dieu. Et t'y dit, Seigneur, à présent, laisse-moi ou serviteur quitte la terre en paix d'après vos paroles. En effet, mon lisier inouïe ou délivrance que vous préparez devant tout bon peuple, et la lumière pour éclairer bonne nation et la gloire au peuple Israël. Papa et maman Zézi, tu es étonné les autres qui entendent sa bonne parole que Siméon t'a dit, le Zézi. Siméon, tu bénis. Tiens aussi un prophétesse qui s'appelle Anne, fille Faniel, sortie d'un tribu Aser. Et tu très vieux. Et tu vives avec son mari, 10 ou 7 ans. Et tu restes vive. Âgé 84 ans, il pratique le temple. Et tu continues à servir mon Dieu, les jours comme un soir. Et tu zénais et priais. Dans ce même moment, Anne t'y arrivait. Et tu commences à louer bon Dieu et cause le ses enfants avec tout bon que tu espères délivrance Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je souhaite la bienvenue parmi nous, Père Moïse, Père Machot et Diak Agatine, qui viennent montrer notre solidarité, notre sympathie pour la famille Nisset aujourd'hui. Puis voilà, nous pouvons dire adieu et madame très populaire spécialement dans nos paroisses. L'un nous cause madame Nisset. Nous causons Mlle Gladys, nous tout le temps imagine cathédrale, nous tout le temps imagine l'ambition. À cause, ça ne fait partie de son la vie. Oui, Madame Nisset, il travaille en quantité, il dévoue en quantité, il rend service en quantité. Et par indi, dans témoignage, il l'a, il présent. Il nous a une quantité d'enterrement. Il nous a l'orgue dans l'enterrement, dans ma mariage, dans la messe. Et même dans le bon matin, la messe des morts, le bon matin. Nous ne pouvons pas dire faire l'intention pour bonne mort, mais nous avons la messe effectivement pour un monde qui est mort. Et ça, les temps, il fait grand matin. Et Mme Nisset est toujours là pour les jouer l'orgue. Oui, pareil. Je me dis la témoignage, Madame Nisset tient en même temps un dimonde solide, un dimonde fort dans son la foi, dans son personnalité. Et c'est même ça que la famille choisit sa lecture, une femme de caractère sortie dans le livre Proverbe. Qui sa lecture, premièrement, il est dit, une femme de caractère. Il peut dire caractère, pareil nous dit, comme il a, ça dit, on peut guette moins caractère.
Pas ça que ça l'équipe dit. Il dit, c'est madame, tu es fort de son la foi. Et tu es resté serein, malgré tout ce qui est arrivé. Et tu fais tout son travail, son activité, en rendant grâce, bon Dieu. Tout ce qui tu fais, tu peux rendre une grande grâce, bon Dieu. Comme un moment difficile, moment heureux, qui connaît de son la vie, il toujours tourne vers bon Dieu et rend grâce, bon Dieu. Et les petits proverbes peuvent louer la foi, sa madame, son attachement qui en a avec bon Dieu. Ça aime ça, nous entendons ça, les petits. On nous pas mal dit un caractère. Un dimoun, par nous dit, un dimoun caractère, non. Eh bien, madame Nicette, oui, c'est une femme de caractère de sa sens. Mais tu es aussi un dimoun dans la discipline. Il est très strict. Oui, il y a un dimoun qui te peut dire où ça qui pensait. Il te dit, speaks her mind. Ouais, parce qu'il garde quelque chose, non? Il te dit ça qui y pensait. Oui, madame Nicette, c'est un dimoun qui nous donne c'était l'exemple. Premièrement, comme un maître de famille qui lit avec son monsieur, fait élève, autres enfants, autres huit enfants. Alors, il fait ce travail, sa mission, avec dévouement, avec grand amour. Il a l'amour pour son enfant. Mais, en plus qu'il sent, il a l'amour encore pour les partager avec les autres. Par ce différent engagement qu'il tient dans l'église. Il fait partie du mouvement maître de famille, il fait partie du mouvement Caritas, service Caritas, la chorale, les autres quelque chose aussi, dans la paroisse. Alors, mais aujourd'hui, que nous nous rassemblons pour dire un dernier adieu, nous leur disons merci beaucoup pour tout ce qu'ils viennent faire. Oui, madame Nicette, une condition sur bons enfants dans l'église. À cause de bons enfants, on est né dans l'église. Nous ne pouvons pas nous amener avec l'église. Nous devons rester là en l'air pour écouter closer. Nous devons tous avoir son la close. Et voilà, continuer de content l'Église, continuer à servir l'Église à cause, mais c'est à cause de maman, madame Nicette, qui guide les autres comme ça. Alors il est important, les parents, qui nous-mêmes, nous, les parents, les autres parents, les noms de nos enfants, qui nous donnent sa bonne façon de vivre, sa bonne morale, donnent sa bonne valeur spirituelle, pour qu'ils autres aussi, les autres grands, les autres vinadiles, nous espérons que nous allons continuer. Et parents, pas donner aux enfants quelque chose de matériel, ou soit l'amour, l'affection, qui est important, mais il devrait montrer lui aussi s'aimer, bon Dieu. Il devrait aussi montrer lui la prière. Il devrait aussi faire l'icône Jésus-Christ dans son la vie. Et voilà que madame Nicette, il fait ça avec ses enfants, ses petits enfants, mais aussi avec les autres du monde. Nous connaissons aussi qu'il rend service à quantité du monde à travers son engagement dans Caritas en particulier. Il travaille quantité d'années avec Caritas et comment il rend service. Et ce service, il rend gratuitement, sans espèce non rien en retour. Oui, mes amis, c'est même ça vrai l'amour. Quand nous faisons quelque chose, nous ne pas expecter quelque chose en retour. Dis nous faire. Nous la joie vient dans les fêtes que nous faisons. Nous la joie vient dans les fêtes que nous faisons ça quelque chose. Nous nous rendons ça service. Mais voilà. Mon espéré, madame Nicette, nous gagne beaucoup la joie dans ce service qui nous rend les autres par son engagement dans Caritas. Moi, je suis content de partager avec les autres, mes sens, qui un garçon appelé Serge. Serge Marie, qui peut-être bon dimoun, bon enfant, madame Nicette, qu'on lit, les autres dimoun aussi qu'on lit, qui grandit là même, là, avec bon capucin. Et il a envoyé un message, là, il attendait madame Nicette, il m'a dit, moi, transmettre son sympathie, son condoléance avec la famille. Mali, un petit bout de son message.
Voilà. Qui dit moi, dit la famille. Je viens d'apprendre le décès de Madame Nicette. C'est un pilier de la cathédrale et de l'imprimerie Saint-Fidèle qui disparaît, si ce n'est pas la dernière. J'ai toujours connu cette dame entre l'imprimerie et la cathédrale. Il dit, moi, si c'est toi qui préside la cérémonie, s'il te plaît, tu présenteras toutes mes condoléances à la famille. Merci. C'était une grande dame. Que Dieu l'accueille dans son amour. Elle qui a accompagné tant d'enterrements à l'orgue et de messes des morts le matin. Et il dit, moi encore... Et après, ils m'ont dit, une petite réponse pour dire, mais voilà, ils étaient toujours fidèles au poste. Ils m'ont donné une réponse pour dire, c'est un bel hommage. Oh, pardon. Tu as employé le mot juste. Elle était là toujours, fidèle au poste, au service de l'Église, et fidèle à elle-même, dans le calme comme de la tempête. Quelle fidélité. Elle avait une place dans mon cœur. Je serai en union de prière avec vous vendredi. Je prie pour qu'elle repose en paix de la joie de son Seigneur. Voilà, ce petit message qui sais-je d'envoyer pour la famille, pour l'enterrement, Madame Nicette. Et voilà, bien, tous, et quand c'est Dimoun, une toute sa vie, et quand c'est Dimoun, et par son exemple, par son premier fait, bien, alors par mon dit au commencement, on nous remercie. Il met son la foi dans son la vie. Il ne met pas son la foi que son la vie. Il met son la foi dans son la vie. Mais à la fin de son séjour, nous connaissons que Mme Nicette est une malade, un peu d'étang. Hein? Une malade. Mais une malade, mais une, même si tu es malade, il garde confiance dans bon Dieu. Il garde confiance dans son Seigneur, qui ne toujours croit là-dedans et qui ne toujours servit à son manière. Alors, pareil prophète Siméon, fin dit de l'évangile qui m'ont proclamé. Mon mazine que Madame Nicette aussi, une grande sens dit ça dans son liqueur. À présent, Seigneur, laisse aux servantes vin koto, mon pari pour moi quitte la terre. Et bien si, une quitte la terre bien entourée avec tous ses bons enfants, bons six enfants, qui montrent lui beaucoup l'amour, beaucoup l'affection, par votre présence. Autres les temps. Et que Madame Nicette y repose en paix. C'est ça que nous rejoignons encore dans la maison du Père. Amen. Naba débute pour la prière universelle. Nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance que notre prière fasse maintenant unanime. Se fasse maintenant unanime. Notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Seigneur, nous remettons aujourd'hui notre chère mère Gladys sur le chemin vers toi. Ensemble, prions. Today, as we mourn, our thoughts and prayers extend as we remember her late husband, Aston, who worked by her side for many joyful years
and her dear son Brian, who departed this world too soon. Lord, may their soul be embraced by your eternal grace, and may they find peace in your loving presence. Lord, hear our prayer. Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et tous ceux et celles qui ont partagé dans l'amitié avec Gladys, ses joies, ses peines, ses travaux, que Dieu leur donne le courage d'accepter cette séparation. Ensemble, prions. Nous prions pour l'Église, pour qu'il fasse les monnaies de copains, qu'il écrit sur la terre pour tout le monde, et qui n'a pas fait différence personne, et qui continue à conduire nous et veiller nous tous. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et viens répondre à nos prières. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ta servante, Madame Nicette, nous faisons appel à ta bonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et plus particulièrement de Lucie Gradis Nicette. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Thank you.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bonne foi, excès de l'amour Jésus-Christ, en nous montrer camarades, ainsi la paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes paroles et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie et pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
n'est pas debout pour la prière après la communion. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre sœur, Madame Lissette, de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ la convie dans l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. À présent, arrive le moment pour nous bénir son décor. Espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de notre foi. Nous bénissons ce corps, au du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
On les dit aux tous qui nous accompagnent nous dans nos souffrances. Un grand merci. Sans autre, peut-être nous n'avons pas trop sa courage pour débouter là. Merci, mon Seigneur, pour présence. Merci, Père Alcindor, bonne clergé. Merci, la chorale, l'organiste et bonne servante d'hôtel. Merci, Jack, pour présent. Merci beaucoup. Mon voix qui m'a mis, pareil, je vous dis, je vous bien après votre présence, là, pour soutenir nous dans son départ, là, qui quitte nous. Merci encore une fois. Merci, Renette. Et voilà, on termine ce service en disant, toi, je vous salue, Marie. Madame Lissette, bien sûr, c'est une grande dévotion, grand attachement à la Vierge. Et nous dit la Vierge, accueille-lui dans le royaume son garçon. Prie pour bonne, qu'il qui derrière, et prie pour chacun de nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Que l'âme de Madame Lissette, que toutes les âmes des fidèles trépassés, reposent par la miséricorde de Dieu, reposent en paix. Amen. Alors, Renette, Christine, Sister Aline, Alain, Frida, Astrid, Peter, tous les six enfants, les belles-filles, Zan, les nièces, Neve, toute la famille. Au nom de Monseigneur, au nom de Père qui l'a, Jacques, et au nom de diocèse aussi, toute la communauté religieuse, nous les exprimons nos sincères condoléances à la famille. Nous avons prié pour vous autres dans ce moment difficile et nous continuons à prier ensemble pour vous autres gagner courage. Que tout le monde aille, il a de son bien. Parce qu'il a rencontré son bon Dieu. Alors, qu'un jour on arrive à lui, c'est un endroit que Dieu a préparé pour lui et aussi il a préparé pour nous. Je vais vous dire encore merci parce que Renette nous a dit merci, Bandimoun. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, mon frère et saint, nous allons prendre nos derniers chants, nos chants d'adieu. Je crois qu'il est vivant.